votre famille. Madame Badon, s'il vous plaît. Pour venir soutenir ce combat épouvantable que nous menons avec Franz Weber depuis maintenant 28 ans contre ce massacre atroce que les Canadiens perpétuent année après année et de plus en plus fort sur ces malheureuses bêtes qui vont finir par disparaître un jour de la planète, étant donné que maintenant les quotas sont passés des années qui était de 125 000 morts de phoques par an à 350 000 aujourd'hui, ce qui donne à peu près la valeur d'un million de phoques tous les trois ans qui sont massacrés dans des conditions absolument atroces, d'inhumaines morts avec des pics à glace et des gourdins, souvent encore dépecés lorsqu'ils sont vivants et qu'ils bougent encore. Nous avons vu, et moi je suis allée sur la banquise, des images qui laissent le cauchemar dans les cœurs pendant des années, des années. Et je ne comprends pas que des êtres humains, des êtres qui peuvent être des êtres humains, c'est-à-dire dans le dictionnaire français, sensibles à la pitié, bienfaisants, secourables, puissent agir d'une manière aussi atroce envers des animaux qui sont des animaux pacifiques, qui n'ennuient personne, qui vont faire leur bébé sur les endroits les plus reculés de notre planète,
où aucun être humain ne peut vivre ni survivre, et eux vivent et survivent dans des conditions très très précaires. Et en plus, les Canadiens, les Norvégiens vont les tuer de manière atroce et abominable. Donc, je vous remercie tous qui êtes ici de faire partie de ces êtres humains qui n'existent plus, qui sont eux aussi en voie de disparition, et de nous aider à faire cesser à jamais cette atroce tuerie, cette atroce boucherie qui se passe tous les ans dans ces pays, qui sont des pays riches et qui n'ont pas besoin de ça pour vivre ni pour survivre. Maintenant, le commerce des peaux de phoque continue. Les peaux de bébés phoques sont maquillées, rasées, teintes, et on dit que c'est de la loutre. On fait un commerce d'huile et de graisse avec les phoques adultes, et aussi maintenant un commerce de pénis de mâles qui sont réduits en poudre et qui servent d'aphrodisiaque pour les pays asiatiques, qui s'ils ne bandent plus, on s'en fout. Voilà. Je viens simplement en porte-parole parce que maintenant le bébé phoque est associé totalement à moi, puisque nous avons les mêmes initiales et que nous avons peut-être aussi la même opinion de l'humanité, parce que je finis par voir l'humanité avec les yeux du bébé phoque, c'est-à-dire d'une manière pas très jolie. C'est pour ça que je vous remercie d'être ce que vous êtes et d'être venu ici pour les défendre. Voilà, merci. Je voulais vous montrer ce Paris Match qui date de 1969. C'est-à-dire que c'est avant que nous allions sur la banquise, France et moi. Ce Paris Match dénonce déjà d'une manière virulente le massacre des phoques sur les banquises canadiennes, et c'était en 1969. Madame Bardot. Madame Bardot. Madame Bardot, s'il vous plaît. Madame Bardot. Ici, un regard, s'il vous plaît, Madame. Madame Bardot. Ici, s'il vous plaît. Madame Bardot. Je fais que de vous regarder. Ah oui, j'ai oublié de dire, excusez-moi, mais je suis un peu intimidée par tout ça, que depuis 2 ans, ma fondation a recueilli 200 000 signatures de gens très importants à travers le monde, que ce soit les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse, la Hollande, la Belgique, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne, la France, etc. Bon, nous avons donc 200 000 signatures, ce qui pèse un poids important, que nous allons tout à l'heure remettre. J'attendais que Kofi Annan me reçoive. Depuis 2 ans, je lui ai demandé un rendez-vous que je n'ai pas réussi à obtenir. J'espère que l'un de vous, Franz Weber, pourra lui remettre ces 200 000 signatures qui montrent que le monde entier et des personnalités importantes pensent la même chose que nous et nous soutiennent. Voilà. Où est-ce qu'elles sont ? Générale des Nations Unies. Et ensuite, avec ce qu'il faut, n'est-ce pas ? L'insistance nécessaire. Merci Brigitte. Je vous remercie.
Voilà. Alain Bardot, s'il vous plaît. Alain Bardot. Merci. Oui, je vais demander, Monsieur Weber. On était très jeunes. Cette fois. Mais maintenant, c'est usé. Plus fort que jamais. Oui, pas plus bas. Frustration chez vous dans cette lutte de voir que ça continue quand même. C'est pas une frustration, c'est un désespoir. Voilà. Une rage. Non, un désespoir. Oui, une rage, mais beaucoup de tristesse. Et un désespoir aussi vis-à-vis de l'être humain. L'être humain, il vaut pas grand chose. Ons gericht, Herr Präsident, verehrte Jurymitglieder, Herr Ankläger, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Bierfreunde. Und
Wir werden die Kraft des Schweigens miteinander spüren. Wir werden die Kraft des Schweigens miteinander spüren. Und diese Geste des Mitgefühls, die wir von diesem Ort in Genf am 5. Dezember 2005 in die Äther, in den Kosmos, in unseren Heimatplaneten Erde hinausschicken. Danke Ihnen sehr herzlich. Geben Sie Ihrem Nachbarn die Hand als Zeichen, dass Sie sich gegenseitig, dass wir uns unterstützen wollen in diesem Kampf und dass unser Atem ein langer sein wird. Petit à petit,
à cause de la démographie galopante, surpopulation humaine, qui, même si tout le monde pouvait être conscient que les espèces ont le droit de vivre, à cause de ce nombre sans cesse galopant, c'est la raison pour laquelle on en arrive à des situations aussi graves que celles des phoques du Canada. Ensuite, en ce qui concerne les phoques martyrisés du Canada, bien sûr, il s'agit d'un puissant symbole d'agression cruelle qui nous commande d'intervenir en faveur d'un autre puissant symbole, celui de la liberté sauvage. N'oublions jamais que la liberté des animaux sauvages est la seule possibilité que l'on ait d'une référence naturelle en symbiose avec la nature. Bien sûr, de vivre, mais pas forcément dans la peau d'un être humain. J'aurais bien aimé qu'on me donne le choix de vivre en martyr comme les phoques. Malheureusement, je n'ai pas choisi, on ne m'a pas donné le choix, et j'accepte ma condition d'humain en m'abordant tous les jours à faire quelque chose pour les autres, espèces, quelles qu'elles soient. Tout être vivant, pour moi, est une vie symboliquement respectable. Alors, je demande à la Cour, mais à qui profite donc le crime ? Pour stigmatiser l'absurde condamnation que sévissent les phoques et dénoncer leur supplice, il faut dénoncer en même temps les commerces de la mort qui exploitent bien entendu tous les êtres vivants, autres que les humains, mais les humains aussi ont été exploités et continuent de l'être. Ce n'est pas une raison pour en faire subir pire aux autres espèces. Les tueurs de phoques agissent par intérêt et par procuration pour faire du fric. Pour les pêcheurs, il s'agit de faire disparaître un concurrent naturel. Les phoques, j'ai honte d'être civilisé lorsqu'on veut détruire le sauvage. Je préfère être le sauvage qui dénonce le civilisé. Pour moi, la civilisation, c'est l'escroquerie, c'est le crime. Pour plus tard ou pour maintenant, chasseurs-pêcheurs, même combat, même dégâts. Les phoques n'appartiennent qu'à eux-mêmes. Deuxième slogan. Ensuite, je réclame pour les accusés, c'est des hommes de l'ombre, c'est des hommes qui ont choisi de rester dans l'ombre, et je suis de tout cœur avec eux, et mon travail désormais va pour eux. Je propose de lancer dès maintenant une autre idée, celle d'un grand concours européen que la Fondation Franz Weber voudra bien relayer dans son journal, si c'est possible. Alors, un grand concours européen pour la création d'un logo. Un logo esthétique et particulièrement original pour la promotion de la fourrure synthétique qui s'impose plus que jamais. Premier ministre, M. Geoff Regan, ministre de la Pêche, M. Stéphane Dion, ministre de l'Environnement, accusé de complicité et d'encouragement au massacre annuel de phoques sur la banquise canadienne, massacre dépourvu de toute justification rationnelle et condamné par la majorité du peuple canadien, accusé de responsabilité majeure et de complicité dans la torture et la destruction de centaines de milliers de phoques arctiques par an, accusé de pillage d'un patrimoine naturel vivant qui appartient au monde entier, accusé d'encourager la violence et l'ivresse meurtrière d'une petite minorité assoiffée de sang, accusé de complicité dans le dépècement de milliers de phoques encore vivants, accusé de violer la loi canadienne sur la pêche en tolérant l'abattage de phoques en dessous de 12 jours d'âge, White Coats et Blueback. La Cour internationale de justice des droits de l'animal, constituée d'un jury international de 9 membres et 3 juges, se fondant sur les auditions orales de ce jour et l'examen des preuves,
déclare les autorités canadiennes coupables de tous les faits qui leur sont reprochés. Vu les témoignages et les preuves apportées, le gouvernement canadien, en les personnes de son premier ministre, de son ministre de la Pêche et de son ministre de l'Environnement, est coupable de favoriser des massacres qui choquent non seulement par leur démesure et leur gaspillage outrecuidant d'êtres vivants, mais aussi et surtout par leur sadisme qui met le Canada au banc de la société par la faute d'une petite minorité irresponsable et sadique. La Cour demande au gouvernement canadien d'arrêter immédiatement cette chasse immorale et déshonorante. La Cour demande à l'Union européenne de décréter un arrêt d'importation de tous les produits provenant de la chasse aux phoques. La Cour en appelle aux citoyens de tous les pays de boycotter tout produit commercial canadien, quel qu'il soit, et de ne plus visiter le Canada aussi longtemps que les massacres de phoques ne sont pas arrêtés. La Cour lance un pressant appel à l'Assemblée plénière des Nations Unies pour que soit ajouté à l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui garantit à chaque être humain le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité, le complément suivant, article A, 3A, les êtres non humains dotés de sentiments et de conscience ont un droit à la vie et au bien-être. Personne n'a le droit de tuer ces créatures sans raison moralement défendable et leur infliger des douleurs, de la souffrance et des dommages. La Cour a décidé en outre d'envoyer une délégation sur la banquise canadienne fin février début mars 2006 pour examiner la situation existante. Pour pouvoir réaliser cette visite indispensable, elle demande au gouvernement canadien la levée de la restriction d'information actuellement imposée. Tiens, zoom. Ouais, ouais. Foie gras. Foie gras menu. Tu m'entends, France, là ? Tu m'entends, France ? France, tu m'entends ? Oui. Si ça continue, je propose qu'on refasse le même tribunal au Canada s'il continue à chasser et à massacrer les phoques. Ah, bravo. Infiniment tous les associations qui se sont déplacées, toutes
ces personnes qui ont pris la peine de venir à Genève pour nous soutenir avec une solidarité extraordinaire. Merci mille fois, merci, merci de tout cœur. Et on continue tous ensemble, et tous ensemble, nous allons vaincre. Merci. Il y a rien qui apparaît.